Et au Japon, le gouvernement de Shinzo Abe a décidé de promulguer les nouvelles lois sécuritaires qui autoriseront le Japon à envoyer ses troupes à l'étranger. La nouvelle loi entrera en vigueur aujourd'hui. Il s'agit d'un changement majeur de politique sécuritaire du Japon de l'après-guerre. Ce n'était qu'une question de temps. Le décompte pour le jour J a commencé lorsque l'administration du Premier ministre japonais a passé de force un nombre de projets sécuritaires en septembre dernier. Le jour où le Japon a décidé de déployer ses troupes de défense à l'étranger, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tombe aujourd'hui. Des milliers de Japonais sont descendus dans les rues en fin de semaine dernière et ont manifesté contre la nouvelle politique sécuritaire. Nombreux d'entre eux se sont rassemblés devant le Parlement japonais, la Diète, exigeant la démission de Shinzo Abe et la fin de l'exercice d'autodéfense collective. Quelles que soient les raisons que donne M. Abe ou les conditions d'engagement de l'autodéfense collective, c'est la même chose. Le Japon s'apprête à prendre les armées et à devenir un pays qui participera à la guerre. Conformément aux nouvelles lois, les forces de défense japonaises pourront à présent défendre les États-Unis et autres pays amis si ces derniers sont attaqués. Les conditions indiquent également que les troupes pourront passer à l'attaque seulement si la survie du Japon est menacée. C'est contradictoire car tous les arguments de M. Abe sont théoriques, une fois que les troupes seront sur le terrain, où est la limite? Une chose en entraînera une autre et avant que l'on se rende compte, les troupes seront déjà impliquées dans un conflit. C'est mieux de ne rien faire du tout. Dans le passé, les forces d'autodéfense japonaises avaient été déployées dans des zones de non-combat pour des opérations de maintien de la paix dans de nombreux pays. Ces missions ont été menées en vertu du droit national, zone grise, de l'interprétation de la Constitution. C'était plus ou moins acceptable car les forces étaient déployées dans des zones de non-combat. Mais le peuple s'inquiète à présent de la présence des troupes japonaises dans des zones de combat pour venir en aide à des pays amis menacés. À proprement parler, je pense que les opérations de maintien de la paix enfreignent l'article 9. Mais il s'agit de missions humanitaires et de reconstruction. Alors soit, mais les nouvelles lois sécuritaires autoriseront les troupes à aller dans des zones de combat. Et je ne peux accepter ça. Les manifestations contre la politique sécuritaire s'enflamment une fois de plus au Japon. Les manifestants se sont rassemblés en face de la Diète et exigent le retrait de ces nouvelles lois du programme sécuritaire de Shinzo Abe et sa démission. Une grande inquiétude s'installe. Nombreux pensent que le Premier ministre essaye petit à petit de changer l'article 9 de la Constitution.